Salut Gourgandin et Gourgandine, c'est Cotillard49, comment allez-vous? Moi ça va super bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Blacklight Retribution. Alors aujourd'hui on va avoir un petit gameplay commenté afin de discuter de pas mal de trucs en fait, éventuellement. Enfin, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Alors ça concerne Blacklight et puis... Enfin surtout Blacklight, voilà, mais c'est la raison pour laquelle j'ai mis un gameplay de Blacklight qui d'ailleurs... est selon moi bon, alors dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez bon ou pas, mais selon moi je trouve que c'est plutôt pas mal, donc à vous de me dire. Je joue donc à la MG, enfin la mitrailleuse légère, et j'ai juste rajouté un viseur holo. Alors je me souviens un peu du nom, mais je suis sûr que vous allez retrouver facilement le nom du viseur. Et donc je n'ai rajouté aucun équipement à part un petit accessoire, je crois, que j'ai obtenu pour une centaine de zen de mémoire. Ça, je crois que ça me fait courir plus vite, je ne suis pas totalement sûr, voilà. Donc on est sur Hello Deck et on est en domination, mais je ne vais pas jouer l'objectif, pardon. J'ai juste pris deux points importants au début de cette partie et je lis 180 au passage, mais je me fais éliminer après. J'ai juste pris deux points en début de partie, mais après j'aurais rien fait. Voilà. Donc je voulais vous parler de plusieurs trucs. Alors tout d'abord, c'est que le tuto de BLR, le numéro 2, va arriver très prochainement. Alors je suis en train de le faire, il y a beaucoup de travail en fait, plus que je ne le pensais, et c'est la raison pour laquelle je pensais vous le proposer hier, mais vous ne l'aurez je pense que demain après-demain, quoi, plus après-demain je pense en fait, parce que voilà, mais oui voilà, donc je pense que jeudi soir vous pourrez l'avoir, je suis quasiment sûr, enfin si j'ai pas de problème de mon côté, et puis ouais, voilà, si tout se passe bien. Donc bref, voilà, donc ça c'était juste pour le ski du tuto. Sinon j'aimerais vous dire que j'ai un très gros projet, enfin un très gros projet, au passage juste j'ai mis un viseur de snipe sur mon pistolet pour essayer, parce qu'il y avait comme une polémique à l'époque, enfin parce que c'est un vieux gameplay qui traîne sur mon disque dur. Il y avait comme une polémique comme quoi les gens vous snipaient avec un petit flingue, mais je m'en suis pas servi du tout, enfin lors de cette partie, voilà, voilà. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai un gros projet, je peux pas vous en parler encore, mais j'essaye de le mettre en place, et ça concernera plus les joueurs de CA, mais aussi de BLR, enfin de Blacklight, ça va réunir les deux, et je pense que ça peut, si j'arrive à le mettre en place, alors c'est pas sûr, mais ce sera vraiment du lourd, je crois, du jamais vu sur YouTube, voilà. Non, faut rester modeste, mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on voit partout. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais à dire pour mon projet. Maintenant j'ai un autre truc, alors je vais encore vous dire que je peux pas vous en parler, mais c'est une grosse annonce. Je peux juste vous dire que ça va rien changer pour vous, mais pour moi ça va changer quelques petits trucs, et c'est assez sympa, enfin j'espère vous en parler très très prochainement, j'espère, mais attendez-vous à des annonces prochainement, voilà, pour ce qui est de toujours de Blacklight. Donc soyez au taquet, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc je vous mets encore le lien dans la description. Il y a toujours le lien dans la description de mon Twitter, mais je vous le mets là dans la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, vous créez un petit compte et vous pourrez éventuellement savoir toutes les news qu'il y a. Enfin tout ce que je peux vous dire à propos de ce qui se passe actuellement, des vidéos qui vont sortir, tout ça. Je viens de tuer un mec qui était au dépôt, enfin au poste de commandement, j'appelle ça plutôt un poste de commandement, puisqu'on a des points de commandement, mais ça s'appelle un dépôt en fait, enfin voilà. Mais c'est un peu lâche, mais bon, excusez-moi, hein, ça arrive toujours de faire ça, et puis il avait qu'à être un peu plus stratégique avec sa VRA, pardon, voilà. Même si sur Hello Deck, vous m'en conviendrez, c'est assez difficile. Voilà, alors maintenant j'aimerais vous demander deux choses. Alors je prépare toujours des projets, je vous parle toujours de projets, tout ça, mais là c'est vraiment... je vous avais dit que je voulais, enfin je vous avais demandé si vous vouliez des vidéos plus longues, à peu près une heure, et vous m'avez quasiment tous répondu positivement, même si certaines personnes préféreraient des vidéos un peu plus longues certes, mais pas de une heure, puisque une heure ça reste quand même assez long. Ou alors je vous les mets en plusieurs fois, mais alors là on tombe dans la polémique, c'est pour l'argent tout ça, donc j'aime pas trop ça à vrai dire, malheureusement, donc je préfère vous mettre ça en une seule fois, et puis c'est plus sympa. Donc je pensais faire plutôt des vidéos de une demi-heure maintenant, plus une demi-heure, trois quarts d'heure éventuellement, je sais pas trop, mais une demi-heure,
Et donc je me suis dit, pour la première vidéo, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, voilà. Je vais faire une vidéo FAQ, donc je serai en live sur Combat Arms, je pense. Et donc je vais faire une vidéo d'à peu près une demi-heure, où je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Et donc ces questions-là, elles sont à me poser dans les commentaires. Donc vous m'écrivez un commentaire, et vous me posez une question. Alors, n'importe quelle question, je dirais. Toutes les questions que vous avez souhaité me poser, outre les questions trop personnelles, parce que j'ai toujours été assez, voilà, distant par rapport à ça. Je ne sais pas non plus me dévoiler trop totalement. Et non, non, je me mettrai pas tout nu sur YouTube, vous inquiétez pas. Et les questions, je dirais, trop techniques à propos de comment je fais mes vidéos. Vous pouvez me poser des questions sur mes vidéos, comment je les fais, mais je pourrais pas répondre dans tout ce qui est technique, dans les détails, tout ça, parce que je souhaite répondre aux questions, d'ordre plus général déjà, auxquelles je n'ai pas eu le temps ou pas eu encore, ouais, voilà, l'occasion de répondre. Mais n'hésitez pas, si vous avez une question, de toute façon je ferai pas un tri, mais si une question n'est pas, enfin, je peux pas répondre à cette question-là, je vous le dirai, je vous l'indiquerai en commentaire, en commentaire ou en message privé. Voilà. Donc, pour les questions, n'hésitez vraiment pas. Toutes les questions, que ce soit Blacklight, Combat Arms, éventuellement d'autres jeux, mais bon, je suis plus sur ces deux jeux-là, comme vous le savez. Et puis voilà. Une toute dernière chose, alors ça c'est pour un projet encore futur, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Je sais, vous aimeriez, je pense, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, mais je pense que ça va faire plaisir à pas mal, rien que j'aborde ce sujet-là. À pas mal de monde, pardon, je dis, il y a des mots que j'ai oubliés, excusez-moi. Donc, à pas mal de monde, ça va faire plaisir à pas mal de monde. Et c'est donc vos chaînes YouTube à vous. Alors, vous savez très bien que, enfin, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, il y a la Nemesis Community pour promouvoir les chaînes. D'ailleurs, je vous invite encore à refaire des candidatures sur les vidéos. Je vous mets le lien maintenant sur la vidéo. Donc, faites des candidatures sur la vidéo qui vient de s'afficher. Voilà. Qui a s'expliquer, cliquez sur le lien, vous verrez. Mais j'aimerais aller un peu plus loin pour un projet un peu plus lointain, je dirais, laisser un peu de temps pour que ça mûrisse. J'aimerais que tous ceux qui possèdent une chaîne YouTube en rapport avec ce que je fais, c'est-à-dire Combat Arms ou Blacklight, m'indiquent dans les commentaires juste j'ai une chaîne, voilà. Juste j'ai une chaîne et j'essaierai de faire un truc. Alors bien sûr, ce sera un peu de la promotion. Vous verrez comment je me débrouille pour faire ça. Mais j'aimerais que, voilà, vous me mettiez, enfin, si vous voulez. Mais je pense que, bon, je pense pas avoir énormément d'influence sur les gens, mais je pense avoir une petite influence qui fait que je peux éventuellement promouvoir un petit peu votre vidéo, enfin votre chaîne, voilà. Donc le gameplay est fini. Je suis arrivé deuxième. Ce qui est plutôt pas mal, j'arrive à faire un petit 5 de ratio, 20 à 4. Je me débrouille bien. Pour moi, c'est un bon gameplay. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un chabit bleu, enfin un pouce bleu, et puis un commentaire pour un autre commentaire, voilà, pour dire si vous avez apprécié. Ajoutez cette vidéo en favori, et puis moi je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour un tuto de BLR, voilà. Sur ce, voilà, à la prochaine, et n'oubliez pas, chabit partant bleu, chabit délicieux.